l'Albaït Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière journée de phase de groupe de Coupe du Monde. Et l'affiche est belle. Le match s'annonce sous les meilleurs auspices. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Philippe Kostic, Nemanja Gudelj. Tadic. Et le ballon est finalement intercepté. Le ballon en touche. Très bien défendu, sans commettre de faute. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Oui, la belle incursion là. Et la frappe part bien. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Oui, très bon arrêt. Anguissa. Ouais, le ballon est bien intercepté. Et la grosse intervention là. Une minute de temps additionnel. Et voilà, on ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du mondial. Ah, le duel est remporté. Le ballon change donc de camp. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et c'est une remise en jeu à venir. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Grosse pression, ballon perdu. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Allez, il récupère ce ballon. Attention à cette action. Excellent, le geste défensif là. Et voilà, c'est donc un corner. Allez, changement donc. Anguissa. Et c'est bien défendu, sans faute. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Attention pour mener au score peut-être. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. Kujic, Milinkovic-Savic. Et ce sont les 5 dernières minutes du temps réglementaire et toujours ce score de parité. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. Vlahovic.
Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Mais nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Et voilà la fin de cette rencontre, donc sur ce score de 0-0. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous n'êtes pas trop ennuyé là durant cette rencontre? Mais le football,